Bonjour Booktube! J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui je vais vous aider à lire en anglais ou en toute autre langue en réalité, puisque mes conseils que je vais vous donner dans cette vidéo pourront s'appliquer relativement à toutes les langues. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et également à me follow sur TikTok et sur Instagram. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, pour apprendre l'anglais, si jamais vous n'avez pas le top niveau, sachez que c'est pas forcément utile d'apprendre l'anglais, hein. Si vous voulez apprendre l'anglais, il faut regarder des séries, des films en VO/STFR, donc en anglais, en audio, avec des sous-titres français. Je vous conseille de ne pas le faire trop longtemps, mais ça c'est vraiment surtout pour ceux qui vraiment, vraiment ne sont pas capables de passer à de l'anglais sous-titré en anglais, d'accord? Si vous pouvez directement passer en anglais sous-titré, anglais, c'est mieux. Tout simplement parce que ça va vous obliger à parler uniquement en anglais et de ne pas avoir les traductions. Mais le VO/STFR peut être bien pour vraiment ceux qui ne sont pas très bon en anglais. Sachez que c'est comme ça que je suis devenue bilingue personnellement, même si vous avez absolument pas besoin d'un tel niveau pour lire en anglais. Vous pouvez également commencer à mettre votre téléphone en anglais par exemple, vos ordinateurs, vos tablettes, enfin bref, tous vos petits appareils là que vous avez en français, vous les mettez en anglais, d'accord? C'est bête, mais ça vous familiarise avec l'anglais constamment, régulièrement, et en vrai de vrai c'est pas hyper compliqué à comprendre, les mots sont très simples, d'autant plus si vous avez l'habitude de vous servir de vos trucs, vous saurez déjà ce que ça veut dire, donc ce sera encore plus simple. N'hésitez pas aussi à follow des gens sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, enfin bref, qui parlent anglais. Effectivement c'est un peu mieux si vous avez les sous-titres, mais si vous ne les avez pas, et ben ça vous apprendra quand même l'anglais. C'est super cool en plus parce que ben, ça vous permet de vous divertir tout en apprenant l'anglais. N'hésitez pas aussi à suivre les informations. Genre les infos quoi. Je pense par exemple à BBC News. Alors ça sera surtout des informations sur l'Angleterre, mais il y a aussi beaucoup d'informations sur le monde. Ça te familiarise encore une fois avec l'anglais facilement et rapidement, et ça va vous aider à être plus rapide pour comprendre l'anglais et plus fluide aussi. Si vous voyagez aussi, n'hésitez pas à pratiquer. Ça c'est con, mais en vrai quand tu pratiques tu peux aussi apprendre extrêmement beaucoup plus vite une langue que si tu ne la pratiques absolument pas, parce que la comprendre c'est bien, la pratiquer c'est encore mieux, parce que automatiquement ça sera beaucoup plus fluide pour toi de comprendre aussi. Si tu voyages, notamment dans des pays anglophones, n'hésite pas à lire toutes les petites pancartes, les petits machins, les petits trucs, à écouter les trucs qui passent, enfin voilà, à discuter avec les gens, genre par exemple vous voyagez avec vos parents, ou vous voyagez seul, ou avec votre compagnon, ou que sais-je. N'hésitez pas à dire, bon bah c'est moi qui parle, ok? C'est moi qui discute avec les gens. Ou à écouter quand vous n'êtes pas encore capable de parler. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à écouter de la musique et à essayer de comprendre les paroles. Ça peut être grave cool. Moi je sais que essayer de comprendre les paroles des musiques c'est extrêmement glorifiant, extrêmement... Enfin ça aide beaucoup parce que vu que c'est rapide, ça t'oblige à comprendre vite et du coup c'est hyper cool. Ça c'était pour apprendre l'anglais. Maintenant pourquoi lire en anglais? Parce qu'en vrai, il y a des raisons quand même de lire en anglais. La première, c'est que déjà, vous pouvez enrichir votre vocabulaire, que encore une fois, c'est toujours cool de parler plusieurs langues. Aussi, juste avoir des meilleures couvertures, genre les Shutter Me, s'il vous plaît. On parle de la version en française par rapport à la version anglaise. Vous voyez, juste pour ça, juste pour avoir des bangers trop magnifiques dans votre bibliothèque. Il y a des livres en français, ils sont trop laids et ils sont trop beaux en anglais. Donc très clairement, juste pour ça... Parfois, c'est super cool de pouvoir parler en anglais parce que les couvertures sont belles genre la plupart du temps. Aussi, simplement découvrir la plume de l'auteur. Voilà, parce que l'air de rien, quand on lit une traduction, en fait, on lit pas la plume de l'auteur, on lit la plume de traducteur. C'est pas la même chose. Et parfois, comme tu peux pas traduire littéralement les trucs, t'es obligé de modifier un peu la plume de l'auteur. Même si les traducteurs, évidemment, sont habitués à devoir traduire en respectant la plume de l'auteur, parfois c'est impossible, donc c'est toujours mieux de lire les livres avec les mots de l'auteur. En plus c'est vachement plus slay genre de lire directement ce que l'auteur a écrit, et puis de toute façon en plus en France je sais qu'on a quand même pas mal de mauvaises traductions. Donc l'air de rien, ça peut aussi vous aider à juste éviter les traductions, aussi éviter d'attendre pendant des années, voire ne jamais avoir le livre que tu veux.
en français. Moi, je sais que par exemple, bah, il y a très très peu de FF en français. Et bah, du coup, des fois, j'ai envie d'en lire, quoi, parce que j'aime trop les FF. Vraiment, c'est ma passion. Je kiffe ça. J'aime beaucoup être représentée, etc. Les FF, il y en a très peu en français. Donc bah je les lis en anglais, j'ai pas trop le choix en fait. Ça peut aussi vous permettre d'accéder à des livres beaucoup moins chers parce que malheureusement ou heureusement, on va dire que ça dépend un peu du point de vue parce que si vous voulez, nous on a la loi langue en France, ce qui fait que les livres, peu importe où tu l'achètes, il sera au même prix, il n'y a pas le choix. Sauf que c'est pas le cas en fait dans les pays anglophones, ce qui fait que quand t'achètes un livre sur Amazon UK ou que t'achètes juste sur Amazon France par exemple, les livres coûtent parfois 5 euros. Je rigole pas. Et c'est des brochures, des histoires complètes. C'est pas des poches, c'est pas de la merde. C'est vraiment de la bonne qualité. Et en fait, comme il n'y a pas la loi langue, en fait, bah c'est littéralement concurrence, 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 concurrence. Ce qui fait que la plupart des librairies indépendantes bah, n'existent pas trop en fait et ont beaucoup de mal à survivre. Et c'est pour ça qu'il y en a très peu que vous voyez surtout des chaînes en fait à l'étranger. Il y a très très peu de librairies indépendantes parce qu'elles sont pas toujours capables en fait de suivre les prix, notamment de Amazon ou de Barnes & Noble en Amérique, enfin voilà, ou Waterstones en Angleterre, enfin voilà. Bref, les gros trucs de vente de livres. Ils sont capables de baisser à donf leur livre, quitte à perdre de l'argent, très clairement. Mais en fait, c'est leur manière de démonter la concurrence et d'être au final les seuls vendeurs. Sauf que du coup, ben, en tant que lecteur, forcément, nous, on se retrouve avec des livres parfois très peu chers. Et quand je vous dis très peu cher, c'est-à-dire que vous avez vraiment, vraiment des prix pas chers. Je vous dis 4 euros, mais il y a des fois des livres à 2 euros, hein. Dans certaines librairies, c'est pas forcément le cas sur Amazon. En général, ça s'arrête à 4,50 pounds sur Amazon UK, ce qui fait à peu près 5 euros. Même pas 5 euros, je crois d'ailleurs. Ça reste quand même vachement très très peu cher par rapport au prix de base. Genre, quand tu retournes les livres, en général, c'est 10 pounds. Donc, 10 pounds, sachez que c'est déjà 12 euros. Donc, déjà de base, le prix conseillé est vachement plus bas que nos brochets à nous. Qui tourne plutôt autour de 17, 18, 19, 20 euros. Donc, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent et que vous n'aimez pas les poches, parce que bon, bah, la qualité est pas ouf, les livres anglais, c'est une très très bonne qualité. C'est juste les librairies en fait qui bah, baissent un max leur prix et qui du coup ne gagnent quasiment rien, voire rien du tout, voire perdent de l'argent sur les livres qu'ils vendent. Mais du coup, bah, pour nous, c'est vachement avantageux et l'auteur normalement est payé quand même pareil. Le problème, c'est que du coup, bon, bah, ça tue très clairement les librairies indépendantes parce que le problème, c'est que par exemple, dans les librairies indépendantes ou enfin dans n'importe quelle librairie en France, le problème, c'est que du coup, les livres en anglais, ils ne sont pas soumis à la loi langue et tu vas les retrouver à des prix exorbitants. Notamment à cause des frais de port, en fait, de l'exportation, tout ça, tu peux les trouver facilement à 18 euros alors que tu vas les trouver à 5 euros sur Amazon. À savoir que Amazon UK, il y a des frais de port, Amazon France, il y en a normalement pas. Mais moi perso, je fais mes commandes sur Amazon UK parce que la plupart du temps, les prix sont moins chers sur Amazon UK et j'achète juste plusieurs livres pour qu'au final, avec les frais de port, ça me fasse moins cher que sur Amazon France. Et voilà, je m'en sors avec. Franchement, 4, 5, 6, 7, 8 livres facilement pour des prix hyper bas. Et en plus, sachez que quand il y a des sagas, c'est pareil, les prix sont encore plus bas. Parce que les sagas ou même juste des auteurs, ils font beaucoup de packs. Genre par exemple, pour les Shattered, je crois, j'ai payé 50 balles, les 9 livres, un truc comme ça. Bon, il y a 2 ou 3 nouvelles, mais ça reste quand même très peu cher. Il y a ça pour les Hunger Games, enfin bref, il y a ça pour vraiment beaucoup de sagas ou même juste des auteurs. Moi, ça m'arrive régulièrement quand je découvre un auteur que j'aime bien, bah, d'acheter tous ses livres d'un coup. Du coup, avec ces petits packs-là, généralement, c'est genre 20 balles pour 3 livres. C'est bénef de ouf. Après, faut trouver les bonnes affaires. Les prix varient énormément du coup, mais c'est très facile de trouver des livres pas chers. Et même avant leur sortie, même en préco et tout, des fois, t'as des livres à 10 pounds. Juste parce que justement ils veulent détruire la concurrence en vendant le plus de livres. Ça arrivait plein plein de livres que j'ai précommandés, genre Heartstopper, je crois que je l'ai payé 6 balles en préco, alors que bah il coûte 17 euros en français, tu vois. Donc très clairement gagnante de ouf, donc ça me permet d'avoir beaucoup plus de livres aussi. Ah oui, et d'ailleurs, je parlais du fait que vous pouvez avoir plus de livres, mais aussi vous pouvez lire plus de livres. Alors ça, je dis techniquement parce que évidemment, ça ce sera avec le temps. Parce que, en fait, les livres anglais sont généralement beaucoup plus courts. Enfin, c'est même pas généralement, sont toujours plus courts que les livres français. La langue anglaise, en fait, a des phrases beaucoup plus courtes que la langue française. Donc, automatiquement, les livres sont beaucoup plus courts. Après, bien sûr, bah, si vous parlez pas couramment anglais ou que vous avez juste pas l'habitude, évidemment, ce sera moins fluide. Donc, vous prendrez beaucoup plus de temps à lire. Mais avec le temps,
vous allez pouvoir lire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de livres en fait, parce qu'ils sont beaucoup plus courts. Généralement, ils font entre 200 et 300 pages, hein. Donc, les 500, 600 pages de France, non, non, on est loin de ça vraiment. Attention quand même, parce que les versions anglaises sont un petit peu menteuses, elles font 200, 300 pages, mais en réalité, l'écriture, elle est comme as, frère. C'est horrible, c'est hyper. C'est des gros paquets. Donc, il y a aussi ça, mais il y a quand même beaucoup moins de mots. En vrai, de vrai, tu peux gagner facilement plusieurs milliers de mots sur un roman. Donc vraiment techniquement avec le temps, bah tu peux bah, lire plus vite, parce que si tu lis en fait aussi vite en anglais qu'en français, tu liras plus vite tes livres, forcément, puisqu'ils sont plus courts. Je vais te donner un petit conseil si jamais bah, tu commences à écrire en anglais, évite de traduire tout. Ce que je veux dire par là, c'est que même si tu comprends pas un mot, essaie d'abord de le comprendre avec le contexte. Parce que parfois, bah, il y a des mots qu'on ne comprend pas, mais ça t'empêche pas de comprendre la phrase. Donc, juste passe à autre chose. Vraiment, empêche-toi de traduire. Après, vraiment, si tu comprends pas du tout la phrase, que vraiment t'es là en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. La traduis. Le mieux, c'est d'avoir une Kindle ou n'importe quelle autre liseuse. Les liseuses font traductrice au passage. Donc, si vous, genre, surlignez le mot ou les plusieurs mots sur votre liseuse, vous verrez que ça traduira. Ça, c'est super, super cool pour lire dans d'autres langues. Évitez un maximum la traduction, parce que c'est pas comme ça que vous allez apprendre l'anglais. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez être dépendant de ça, et plus vous êtes dépendant de ça, bah, très clairement, moins vous serez fluide en fait dans votre lecture en anglais. Et si vous n'êtes pas fluide en lecture en anglais, ça va pas être agréable du tout de lire en anglais. Donc évitez un maximum les traductions. En plus, ça vous déconcentre de votre lecture, et au final, ce sera hyper difficile de suivre, d'apprécier l'histoire, etc. Donc vraiment, je vous dis, évitez un maximum de traduire en français. D'autant que, sincèrement, apprendre une langue par la traduction, c'est pas la meilleure manière d'apprendre une langue. C'est bien pour les bases, mais après ça, c'est mieux d'apprendre avec le contexte. J'ai envie de te dire, le français, là, t'es en train de m'écouter. Si t'es né dans une famille qui parle français, tu as appris le français comment, hein? Pas par la traduction, tu l'as apprise par le contexte. Donc c'est pareil pour les autres langues que vous apprenez. C'est plus compliqué évidemment, parce que bon bah voilà, justement t'as la facilité de la traduction, mais en réalité ça va juste prendre beaucoup plus de temps d'apprendre une langue par la traduction. C'est pas possible, d'autant plus qu'il y a des choses qui ne se traduisent pas vraiment. Genre je pense à plein de mots, je vais pas vous en citer, mais il y a tellement tellement de mots qui sont pas traduisibles en français. Pour autant, ils existent, tu vois. Donc, t'as pas le choix que d'essayer de trouver un truc hyper long pour un mot. Donc, ça, c'est chiant. Donc, le mieux, c'est d'apprendre ce que veut dire ce mot par le contexte, par une définition, mais pas par la traduction. Comment faire pour se lancer maintenant dans la lecture en anglais? Déjà, je vous conseille de lire des livres qui sont courts. Tout ce qui va être poèmes, nouvelles, BD, manga, graphic novels, genre les trucs comme Heartstopper par exemple. Lisez ce genre de trucs, c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots, parce que c'est facile à lire. Voilà, par exemple, bah ouais, voilà, les Heartstopper de Alice Oseman, ou juste les nouvelles genre This Winter et Nick and Charlie. Ça suit les Heartstopper et bah, c'est des petites nouvelles toutes courtes, donc c'est bien pour passer après au roman. Mais voilà, les nouvelles c'est super cool aussi à lire. Vous pouvez lire tout ce qui va être des livres que vous avez déjà lus, dont vous avez déjà vu hein, l'adaptation cinématographique. Série, film, enfin voilà, parce que du coup vous connaîtrez déjà l'histoire et vous pourrez vous concentrer beaucoup plus sur les mots, donc c'est beaucoup mieux. Je vous déconseille tout ce qui va être fantasy, fantastique, dystopie, parce qu'il y a des mots qui sont spéciaux à chaque univers et ça va être compliqué, ça risque de vous perdre. Priorisez plutôt des livres qui se passent dans notre monde, genre la romance, le feel good, ce genre d'histoire-là où, bon bah voilà, il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a que du mot en soi habituel, du quotidien, donc qui sont plutôt faciles à comprendre. Voilà, parce que si vous commencez à parler dragon et bordel et bidule et chouette, ça va commencer à être compliqué. D'ailleurs, n'abandonne pas si c'est compliqué au début de comprendre, parce que ben voilà, c'est normal en fait, c'est pas ta langue de base, donc tu ne seras pas hyper à l'aise et tu auras probablement du mal à comprendre ton histoire et tu vas probablement pas forcément profiter énormément de ce que tu es en train de dire. Cependant, tu verras que ça vient avec le temps et que tu apprendras aussi avec le temps à lire plus vite. Donc ne sois pas pressé de terminer ton roman. C'est sûr que là, le challenge Goodreads, si vous commencez à lire en anglais, donc si vous n'êtes pas bilingue et que vous n'êtes pas hyper à l'aise dans la langue dans laquelle vous lisez, vous allez forcément lire beaucoup moins vite qu'en français et bah, par conséquent, forcément,
Bah voilà, le challenge Goodreads. Moi je sais que dans mes débuts je lisais un livre de 300 pages en 3 semaines, 4 semaines, voilà, c'était super long. Alors qu'en français je le lisais en 3 jours. Vous pouvez bien multiplier le temps, ça va être très long. Mais ça vient avec le temps de lire beaucoup plus vite. Maintenant je lis aussi vite en anglais qu'en français, donc c'est super cool. Et voilà, et ça c'est venu avec le temps, ça fait 2 ans maintenant que je lis en anglais. Et pourtant je lis pas tous les jours en anglais. Hein. Après c'est peut-être aussi parce que mon niveau d'anglais s'est amélioré drastiquement puisque je regarde tous mes films, toutes mes séries, tout en anglais sans sous-titres. Donc forcément mon anglais est assez bon. Que ben voilà, j'ai vraiment pas de mal à tenir une conversation, etc. Tu vois. Forcément je pense que ça joue aussi. Je pense que l'habitude aussi de lire plus en anglais. Voilà, un petit livre par mois par exemple au début, puis deux, puis trois, je sais pas, en vrai moi j'en lis trois grand max par mois, donc je vais pas commencer à vous dire faites un mois entier que de livres en anglais, parce que c'est pas forcément utile. Après voilà, ça c'est chacun fait ce qu'il veut, il y a des gens qui lisent uniquement en anglais maintenant et qui lisent genre que les auteurs français en français et qui lisent tout livre qui pourrait être traduit bah, en anglais quoi. Mais voilà, après ça c'est personnel. Et d'ailleurs, si vous savez pas quoi lire en anglais, bah déjà, vous pouvez juste regarder les recos des gens de livres qui sont de base traduits. Tous les trucs de films, de séries, genre là, je viens de recevoir Ma vie avec les Walter Boys en anglais, du coup, je l'ai pas acheté en français. Je sais même pas s'il est sorti en français, mais je l'ai acheté en anglais, tu vois. Après, tu peux aussi suivre des influenceurs livresques, d'autant plus qu'en plus, bah, si tu les suis et que c'est des personnes anglophones, et bah ça te permettra déjà de découvrir des romans en anglais que tu pourras lire, et en plus bah tu pourras pratiquer en regardant leurs vidéos, leurs contenus, enfin voilà. D'ailleurs si vous voulez que je vous recommande bah, des livres en anglais que moi j'ai kiffé, même si certains sont traduits, bah n'hésitez pas à me dire, je vous ferai une recommandation sans problème de mes meilleurs livres à lire en anglais. Cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils pour lire en anglais ou des livres à conseiller pour une première lecture qui sont faciles à lire, etc. Bah, n'hésitez pas vraiment en commentaire, foncez en commentaire, pop pop pop. Encore une fois, on s'entraide les gars. Sinon, bah, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner à mon TikTok et à mon Instagram pour me voir un petit peu plus souvent sur tes écrans. Et puis sur ce, des bisous.